Bonjour, aujourd'hui sur Mécanique TV, je vais vous montrer comment contrôler ces pneus. Voilà, s'ils sont usés non avant le passage du contrôle technique déjà. Et bien vérifier. Hein. Donc déjà, visuellement, on vérifie le gommage, l'épaisseur de là, l'intérieur. Centre voilà, ici et là normalement sur le côté sur le flanc on devrait avoir une indication nous disant qu'à ce niveau là il y a un témoin d'usure. Voilà, là on va regarder, on voit ici sur le côté du flanc, donc nous indiquons voilà. Donc pour là, les pneus sont ok, on n'est pas encore arrivé au témoin d'usure. Bon, donc pour ce pneu là, c'est ok. On va vérifier à l'avant. À l'avant, c'est un peu différent. Parce que là, le pneu, visuellement, est HS. Là, donc, il y a un déséquilibre. Des roues avant et un paralysme, parce qu'on voit bien que le pneu a été mangé de l'extérieur plus que de l'intérieur. Là pareil, on devrait avoir une indication de témoin d'usure. Il y en a ici, mais on ne voit pas bien parce que le pneu est mangé. Le témoin est là, donc on est arrivé déjà. Donc pour ce pneu avant, il est HS, il passera pas au contrôle celui-là. Voilà. Mais pour le pneu arrière, c'est ok. Voilà, comme je vous ai dit, vérifiez bien le témoin d'usure. Vérifier la flèche, nos indications, où est situé le témoin. Voilà. Tant qu'on n'y est pas arrivé, le passage du contrôle technique est faisable. Voilà. Voilà pour ce petit contrôle. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur Mécanique TV.